Bonjour à toutes et à tous. Nous voici de nouveau sur Project Cars 2. Cette fois, on est sur le circuit d'Oschersleben, le circuit A, vu qu'il y en a plusieurs. Il fait 3 km 660. Donc nous sommes toujours en Allemagne. Et nous sommes au volant d'une Mitsubishi Lancer Evolution 6 SV1 de 2016. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est 12e sur les 1000 dollars. Et comme tu dirais, c'est parti, mon kiki. Hop, on voit ça, j'espère qu'on voit tout. Donc voilà, la Mitsu, elle est là. Alors là, c'est le foutoir, ça tape de partout. J'ai bien réussi à éviter. J'ai un petit intérieur. Voilà. J'ai gagné quelques places. Sans casse, ce qui est déjà pas mal. McLaren à côté de moi qui ne veut pas me laisser passer. Mais. Sur qui j'arrive à prendre l'avantage quand même. Mitsu devant moi. Bizarre c'est plus arrière. J'ai l'impression qu'il manque un morceau au milieu avec le creux. Alors l'avantage hein, c'est que là on est sur une piètre motrice intégrale. Ça tient le pavé même à l'arrêt accélération. Un petit peu derrière la Mitsu, on est 8e, donc ce qui est déjà pas mal. Hop, un petit intérieur à la Mitsu, on est passé. Sacré bruit à l'accélération cette année. Ça passe à l'intérieur. Encore une McLaren devant. Ça va, on gagne le terrain. Après c'est un circuit court, hein, 3 660 km, hein, ça se fait relativement vite, surtout à ces vitesses là. Allez, à l'intérieur, hop. Hop là, un autre intérieur. On n'en parle plus comme dirait. Et on part à l'attaque. Ouais. Plus difficile. Alors là, je dois être quatrième. C'est ça. Et donc il faut que j'arrive à dépasser le concurrent de devant. Parce que j'ai les deux autres hein, qui sont en train de se faire la malle. Et là, celui qui est devant, le problème c'est que. Il bouchonne un peu, mais oui, je le colle à son pare-choc. Le problème c'est que il se place très bien dans les courbes et du coup c'est compliqué de le dépasser. Léger contact, l'autre derrière, pareil, hop sur la colline. J'arrive à trouver. Un endroit où j'arrive à passer. C'est un peu tendu. Voilà. Allez, hop, un intérieur. Maintenant, on est troisième. Il faut que je m'attelle à rattraper les deux premiers. C'est correctement. Alors c'est une voiture hein, qui en plus de bien tenir le pavé plutôt vite, ce qui est pratique comme vous voyez, j'ai réussi à recoller assez rapidement aux deux premiers. Après le problème reste le même, faut réussir à passer. Dans une McLaren décidément. Et il va falloir
que j'arrive à me dépatouiller pour... Sur l'extérieur, ça passe pas. Alors par contre, les deux voitures qui sont devant, dans la McLaren, vont très très vite. Elles ont une accélération assez impressionnante. J'avoue que c'est compliqué. Qui ne veut pas dire impossible. J'arrive à revenir même si je perds sur l'accélération au départ, j'arrive quand même à recoller. Donc là, on entame le quatrième tour sur 5. Hein. Avec celui-là à finir. Allez, à l'intérieur, ça passe. J'arrive à trouver une ouverture. Faut déjà que j'arrive à la recoller parce que si je la recolle pas, je peux pas passer. J'ai la voiture de derrière qui ne me lâche pas non plus. J'ai un peu l'impression d'être en sandwich. Oh, ça va le faire. On est arrivé. Il essaie de se déporter pour pas que je prenne son aspi. Du coup, ça marche plutôt bien. Alors, heureusement, j'arrive à recoller au freinage. Le derrière ne me lâche pas dans Iota non plus. Et là, c'est du coller serré. La ligne droite, là je suis derrière, je suis calé sur son esprit. Il va vite, il va très vite, et là ça freine sec. Allez, à la corde, on est passé. Là c'est fait, je vais me dégager de tout ça, on est sur le dernier tour. Je les laisse se débrouiller tous les deux. Un peu large là. Heureusement j'ai une bagnole qui tient bien le pavé. Ça passe. Réussi à prendre ma distance avec les deux Lascar de derrière. Mais je peux pas les laisser me rattraper. Et voilà, il est arrivé. Parfait. Comme on dit, ça, c'est fait.